Si quelqu'un venait vous apprendre que ce bateau fait route vers Singapour, vous diriez quoi? Je dirais qu'on me raconte des cracks, monsieur Hyde. On a viré au sud-ouest hier soir. S'il vous plaît, messieurs. Nous ne cherchons pas les embêtements. Non. C'est autre chose que vous cherchez. C'est vrai. Nous comptons trouver l'île du crâne. La trouver, la filmer et l'exposer au reste du monde. Pour 25 cents, vous verrez le seul et unique point inexploré du globe. À votre place, je n'avancerai pas. Pourquoi pas? Il y a de ça 7 ans, avec Psy Hayes, on payait notre passage à bord d'un trois-mâts norvégien. On a repêché un naufragé, au beau milieu de l'océan. L'homme dérivait depuis des jours. Lui et son bateau s'étaient échoués sur une île à l'ouest de Sumatra. Une île cachée dans le brouillard. Il nous a causé d'une muraille gigantesque, bâtie il y a si longtemps que personne ne sait par qui. Un mur de plus de 100 pieds de haut, aussi solide qu'il pouvait l'être il y a des lustres. Pourquoi avoir bâti un tel mur? Le naufragé y parlait d'une créature. Ni homme, ni animal, mais une bête monstrueuse qui vit derrière cette immense muraille. Un lion ou un tigre? Un mangeur d'hommes, toutes les légendes naissent de là. Vous a-t-il dit autre chose? Rien d'autre. On l'a retrouvé le lendemain, il s'était flanqué un couteau dans le cœur. Désolé de vous le dire, mais il va falloir penser à trouver mieux. Les monstres appartiennent au film de série B. Si vous découvrez cet endroit, si vous allez à terre avec vos collègues, vos caméras, vous ne reviendrez pas. Vous êtes prévenus.